le mot d'identité est un mot très souvent employé, un petit peu compliqué, parce que d'un côté, l'identité, c'est ce qui vous différencie des autres, ce qui vous fait être vous-même et pas quelqu'un d'autre. Mais l'identité, c'est aussi ce qui est identique, ce qui vous rapproche. Alors, oui, bien sûr, on peut dire qu'il y a quelque chose qui particularise les Limousins. Pour le sociologue Pierre Maclouf, ce sentiment d'identité ressenti par les Limousins se traduit par des rapports particuliers au monde rural, à l'environnement, au poids de l'histoire, mais aussi à un certain enclavement, voire parfois une tendance à l'auto-dénigrement. Cette relation définit le rapport que les gens entretiennent avec, donc, je le disais, une notion un peu abstraite peut-être de Limousin, et puis aussi avec des institutions. Donc cette corrélation est importante parce que c'est dans ce cadre que s'exprime aussi une volonté commune par notamment la participation électorale. Pour les habitants d'une région, cette notion d'identité régionale n'est pas anodine. Il y a un certain effritement de repères qui étaient bien installés, comme notamment le cadre de l'État, de l'État-nation. Et on peut voir que dans beaucoup de régions du monde, pas seulement en Europe, les populations, les gens, sont à la recherche de proximité, de cadres de proximité dans lequel s'exercent des solidarités. En Limousin, la région administrative recoupe la région identitaire. Ça n'est pas le cas partout. C'était une force que cette coïncidence entre les deux sortes de régions, la région spontanée, la région politique, administrative, organisée. Si des régions comme celle-ci se trouvent, on va dire, dissoutes ou raccordées de manière un peu artificielle à des ensembles beaucoup trop lointains, il y aura certainement des conséquences peut-être critiques, notamment sur la participation civique. C'est-à-dire qu'il est possible que la population ne se reconnaisse pas de la même manière dans des autorités qui seront très lointaines que dans des autorités de proximité. Mais pour Pierre Maclouf, le redécoupage des régions ne suffira pas à effacer le Limousin. Cette région spontanée, je vous l'ai dit, elle a des racines historiques et culturelles. Elle a existé avant ces constructions administratives du XXe siècle. Elle existera certainement après. La Catalogne a été coupée en deux, entre deux États, le Pays Basque aussi, et ils sont restés des entités, des unités spontanées encore bien vivantes. Donc je crois qu'il continuera de toute façon à exister un Limousin qui s'inscrit dans ses modes de vie, dans les pratiques industrielles et agricoles, dans la relation au territoire, dans la toponymie, dans les noms de lieux aussi. Bien sûr que le Limousin ne va pas disparaître demain matin.